Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que sachez que je suis dans le marché. Je suis toujours là. J'ai décidé. Oui. Que je vais être comme ça. Oui. Que ça vous plaise ou pas. Vous comprenez? Je sais pourquoi je fais ça. Donc, j'apprends beaucoup de choses. Hein? Wow, wow, wow. C'est du n'importe quoi. Je vais commencer par toi, Aline. Avec ta famille. Voici ma cotisation pour vous. Donc, ça, c'est l'argent. Donc, dis à ta soeur qui est aux États-Unis, qui m'a porté plainte et vous tous les gars. Je suis en train de cotiser. Je suis en train de cotiser les centimes pour vous payer. Voilà. Donc, Solange de Solange, voilà ça. Oui. Donc, voilà pour toi, Aline Bonze. Oui. Donc, comme moi, je suis pauvre, tout le monde sait que je suis une pauvre veuve. Je suis une droguée invétérée. Donc, oui, voilà. Oui. Oui. Voilà tout ce que j'ai pu récolter pour les 80 plaintes. Parce que moi, je veux faire comment pour payer. Oui. Il faut savoir que Enamongo va payer, mes filles vont payer, pas pour payer. Donc, pour nous, j'ai déjà quand même pu. En fait, depuis qu'on a eu comment porter plainte, là, je me suis dit, hey, je veux faire comment pour payer. Donc, depuis là, je suis en train de. Voilà. Je suis en train de cotiser pour vous payer. Parce que moi, je n'irai jamais à condamner. Ce qui est sûr, c'est ça. Comme je n'irai jamais à condamner, vous comprenez? Donc, il va falloir que je fasse, on appelle ça comment? Je vous paye, je vous dédommage. Oui. Donc, voilà. Voilà, je vais vous payer. Depuis là, je commence. Voilà ça. Donc, voilà. Voilà. J'ai déjà rempli un pot. Et après, je vais remplir l'autre. Parce que toi et moi, vous savez que je ne peux jamais aller même en prison, rien du tout. On m'a dit que la veuve, je dois vous payer. Oui. Donc, moi, je suis pour vous, une droguée. Donc, voilà. Donc, moi, au moins, je cotise quand même. Je cotise quand même pour vous payer les injures dans votre famille. Voilà. Vous avez entendu? Donc, Mbomzo, voilà tout ce que la veuve trouvait là. Que je vous paye, vous et votre famille. Donc, j'ai commencé encore à cotiser ici. Parce que moi, je n'ai rien à vous donner. Donc, tout ça. Je continue, c'est la même seule. Il y a les 50 centimes, les 1 centime, les 2 centimes. Il y a tout pour vous. Donc, si vous voulez être riche, derrière la veuve joyeuse. Voilà ça. Et pour dire, pour finir, parce que vous savez que je suis encore en mode masque là. Pour dire, ce matin, je pense qu'il était 6h07. J'ai dû faire un ticket là pour dire à la reine galloise que la reine galloise, pas avec moi. Fais très attention. J'étais averti ce matin. Moi, je m'amuse plus. J'ai dit que 2 semaines. Oui. Tu m'entends? Parce que tu es toujours là en train de pleurer. Ouais, 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 ouais. Tu pleures même souvent, quoi. Tu peux pleurer plus la vraie joyeuse. Je suis la pleureuse internationale des réseaux sociaux. Tu pleures de quoi? Tout ça pour que les gens aient pitié de toi. Et derrière, quand tu vas dire bonjour à la reine galloise, tu donnes combien pour les quoi? Méfie-toi. Oui, j'ai dit à Facebook que tes enfants sont mongols. C'est arrivé comment? Oui,
Parlons pas de ça. Parce que oui, vous savez, vous êtes là, vous dites ce que non. Toi, tu avais fait ça. Non, il faut. Ça arrivait comment? Oui. Tu l'avais joué, ça arrivait comment? Je te connaissais, je connaissais ta famille, je connaissais quoi? Parce qu'il y a les petits, on appelle ça, les petits arangs ici à Facebook, les petits gens qui sont là seulement pour voir ce que la veuve Joëlle a dit. Quand ça a commencé, vous étiez là. Hein? Quand elle est partie dire dans son groupe de quelqu'un comme là-bas que ses enfants sont mongols, c'est venu me trouver toujours ici une place. Oui? Ça arrive dans les autres sous nous. Hum? La veuve Joëlle. La veuve Joyeuse. C'est ta propre team, la team de quelqu'un. Les abeilles. Pourquoi c'est arrivé? Je vous explique. Parce que. Oui. Hein, Galos, oui. Parce que. Il y a Dieu éternel qui avait fait une soirée. Et. On disait que. Oh, comment es-tu là? Tu dis que. Oui. Parce qu'elle fait tout avec la force. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh. Moi, je savais que moi, j'allais être là la soirée. Voilà la reine galeuse, ou bien quelqu'un m'avait dit que avait mis la photo de Etofis dans son livre pour dire que Etofis sera la soirée. Écoutez-moi très bien. Voilà maintenant, la reine galeuse voit la photo d'Etofis. Elle fait le direct. Oh, papa et tout, il faut m'aider. Je suis avec les enfants handicapés. Oh, quoi. Vraiment, j'ai besoin d'aide. La soirée, c'était un jeudi, je pense. Et la soirée, c'était comme un samedi. Quoi? Quelqu'un s'est fâché. Les abeilles, on t'a nettoyé ici. Jusqu'à dire que tes enfants sont mongols. J'ai dit, vrai ou faux? Vous savez, vous oubliez vite fait. Hein? J'étais appelé pour dire que qu'est-ce qui se passe. Calme-toi. Parce que toi, tu ne fais que pleurer. Après, maintenant, on vient te dire. Que la veuve Joëlle a fait une vidéo. C'était tes enfants. Je te connais. C'est comme ça que je suis assis couillant ici. À l'époque, j'avais encore mon canapé cul là. Avec ma petite télévision, comme c'était tout le temps ici. Vous vous souvenez de mon époque avec ma petite télévision blanche là. Mais voilà. La reine galloise est la première à m'insulter. Parce qu'on allait lui dire que la veuve Joëlle a insulté tes enfants alors que rien. C'est comme ça que je dis que quoi? Tu insultes qui? C'est comme ça que j'ai insulté propre. C'est vous-même qui venez dans les réseaux sociaux. Racontez vos vies dans vos teams. Je te connaissais, la reine galloise. Tout ça pour dire que la veuve Joëlle est méchante. La veuve Joëlle est comme ça. Oui, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Je te connaissais? Ça m'a fait très mal. Très mal. Le fait que tu pars chez l'OTV, tu dis que. Même la veuve Joëlle avait insulté mes enfants. Bon, je connaissais. C'est derrière ça que j'ai dit que quoi? J'allais insulter tes enfants. Mais n'oublie pas une chose, la reine galloise. Tu sais, dans la vie, vous avez une petite façon de manipuler les gens, de faire du n'importe quoi. Si aujourd'hui, tu as ta société là, je ne sais pas quoi, bref, au Cameroun, c'est derrière la veuve Joëlle. Parce que quand quelque chose est bon de mon côté, personne ne dit la veuve Joëlle a raison aujourd'hui, non. Je suis toujours celle que vous voulez toujours mettre tout ce qui est mauvais. Tantanon. L'erreur que tu as fait, la reine galloise, tantanon, c'est de prononcer mon nom. Ça m'a fait mal. Donc, pour l'instant, je te dis que la reine galloise, là où tu es là, si tu ne fais pas un direct, que, ouais, excuse-moi. Yoyami. You look me. Je suis devenu la moins chère. Maman. Ok. On l'a insulté. N'est-ce pas? Elle prend le vol. Après ça. Comment elle a demandé l'argent à Etofis. La façon que les abeilles l'ont fait avec la reine. Mais vous vous souvenez de l'histoire. Elle a pris le vol. Elle a atterri. On se retrouve dans le même hôtel. Moi voilà aussi. J'étais encore avec Dave, ma première ministre. J'ai préparé ma page, j'arrive à l'hôtel là-bas. Prends les taxis, je suis pas parti boire mes alcools partout, me connaissez. J'arrive là-bas. Je la trouve assise dans un mytho hôtel. Les hôtels qu'on appelle, c'est quoi là, les R4 là. Les hôtels des petits seigneurs, je ne sais pas les petits hôtels qu'on appelle. J'arrive là-bas.
Et comme la salle de spectacle était à côté. Ouais. Écoutez-moi d'abord. Vous savez, ma zout. Quand je parle, vous devez m'écouter. Après, vous allez continuer. C'est comme ça que j'arrive à l'hôtel. La reine Gallo s'était assise à l'hôtel toute seule. Je dis, mais où sont les autres? On a dit que tout le monde. Parce que on appelle Dieu éternel avait pris un hôtel pour tous les gens qui venaient, qui habitaient là-bas, parce que moi-même. Vous savez que moi j'étais avec Dave. C'est elle qui payait tout et tout et tout. Moi, quoi. Quand on était encore gagné ce petit c'est tout ça. Moi, je dis pas que non. J'arrive à leur couleur comme ça. Je dis que, ouais, elle me dit, ouais, comme tu vois ici. Je dis que, mais on a dit qu'il y a des. Apparemment, il y a un club. Tout le monde était là-bas. Tout le monde était là. La team PDG, t'a mis roi. On t'a mis à côté. Parce que moi, je ramasse toujours les épaves. Dans le même hôtel. Tu avais ta chambre, elle était partie s'asseoir. C'est moi qui viens dire, ma, tu fais quoi ici? Elle me dit que non, elle a faim et tout ça. Elle dit que dis donc, moi jamais la nourriture. Viens. Elle me dit d'abord que non, parce qu'elle a toujours peur. Elle me dit d'abord que non, elle ne peut pas venir. Kira Gabriel, ça fait 2 semaines. Tu viens me regarder pourquoi? Méfiez-vous, hein. Ça fait 2 semaines. Toi, tu viens faire quoi ici? Tu pourrais pas attendre les 2 semaines pour venir commenter. Quand tu es là, et là, c'est comme ça alors que je la soupire, on quitte, on prend l'ascenseur, on était au 4e niveau, au 2e niveau. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je raconte Catino au couloir. Il y avait une petite fille là. Voilà la baronne de Suisse qui vient seulement, qui gifle ma Catino. Et j'ai. Moi, avec la nourriture et tout ça. Elle a giflé, la baronne, oui. Elle dit, tu sais, je suis venue uniquement ici, pour toi. Tu fais les soirées maintenant, tu viens les soirées sans que tu me demandes. Ce n'est pas toi, mon âge, ou c'est mon âge, j'ai fait quoi? Ma mère, Katino, était. J'ai dit, vous me connaissez, ma mère, Katino. Réponds, non, mon âge, Nyana. Je vous dis que c'était moi. C'était là. Et je vous manque pas, je vous manque. Je dis, mais, y a Minga Bibouan. Comment il va te gifler comme ça, tu te défends pas. Maman, quand tu veux y appeler, je dis que, mais, je vais me faire comment à l'hôtel-ci. Je vous manque pas. La reine, on appelle la baronne de Suisse. Oui. Après, je dis, ok. Elle dit, oh, je n'ai plus envie d'aller à la soirée. Elle dit que quoi? Dieu éternel t'a payé, hein? Tu ne parles pas. Entre ici! Comme ma chambre était aussi à côté. Parce que nous tous, je suis entré avec. On a maquillé. Maman, quand tu nous vois tout. Elle m'a dit, hé, ma soeur, merci. Tu étais là. Je t'ai fait entrer dans la chambre, dans ma chambre. On maquillait tout le monde là-bas. Toujours là, toujours très poli. Parce que la reine Galone est toujours polie, hein? Je montrais qu'elle n'est. Elle mangeait, mangeait, mangeait. Tu as terminé 3 morceaux de porc le jour-là. Elle a mangé. Après, comme on était tous dans les mêmes. Tu sais que quand les gens sortent des chambres pour partir, tout le monde sait que tout passe. Tout le monde. L'autre, ma coach, c'est après, tout le monde part. Elle nous a laissé là-bas, elle est partie à la soirée de qui était. De Dieu. C'est Dieu éternel. Voilà. Tu sais quoi? Il fallait voir la soirée là. Quand Cam était assise au podium, la dernière soirée qu'elle a fait, elle a mis il y avait encore le mari de Man, la Togonaise là. On appelait-il comment? Qui était devenu son impresario. On appelait mais comment? Ouais. Vous connaissez l'histoire? Maïa! Elles étaient assises comme les petits moutons. Que quand arrivait, elles étaient assises la tête de la reine. Il faut que tout le doudou Ngaba, tout le monde à Kana, il faut que tout le monde vienne la saluer. C'est comme ça que le problème commence avec ma première ministre.
Elle se lève. Il fallait se mettre. Vous savez que. Hein, vous savez que Fleur de Lys, elle a raté sa vocation. Elle a beaucoup raté. Comment? Tu vois comment les maris, ils sont baragas, ils faisaient des trucs comme ça. Tu vois? Elle avait un pouvoir. Quand maman, elle était assise comme ça. Et les joueurs étaient. À la femme. Maman! Même les gens qui ont payé les salons et qui avaient payé les salons 10 000 euros parce que là-bas c'était les 2 000 euros, les 20, maman, on ne les voyait pas. On l'a mis dans une place seule. Donc il n'y avait même pas les petits gens à côté. Mais quoi? Il était assis comme ça. Tout le monde, toute sa tribu. Ah ben mini mineur, ah ben vanier, mini vacino. Bah bah bah, t'es un samba. Il veut un gomma, il faut oublier tout. Il y a du bruit. Donc toute sa tribu était là pour saluer la reine. Dès qu'on vient, bah, on prend la photo. Et je regarde, je dis que qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, ma première ministre quitte. La veuve annonce avec Fleur. J'ai dit pardon. Tu crois que moi je suis assise ici au carrefour là-bas? Tu crois que je vais me lever pour aller la saluer dans son royaume là? J'ai dit non. La reine Galo, je reviens vers toi. Parce que je te suivais à la trace. Quand tu es parti pour la saluer là-bas, elle a fait quoi? Elle n'a même pas voulu. Elle t'a rejeté. Tu crois, qu'est-ce que tu crois toi? Oui. Qu'est-ce que tu crois? Au moins. Parce que vous ne connaissez pas, vous oubliez la genèse. Vous oubliez toute la genèse sur Facebook. Aujourd'hui, tu es quelqu'un, non? Derrière la faucheuse, non? Vrai fond. Tu as créé tout ce que tu as là. Tes enfants qui voyagent là, voyagent encore avec eux. Ne me poussez pas à bout. J'ai dit que je reste dans mon gata. Je suis calme dans mon gata. Je bois mon vent, je fume ma cigarette, je vous regarde. C'est tout. On vous invite dans les chaînes de télévision. On vous invite partout. Moi, je ne m'invite jamais nulle part. Je suis ici. Mais sachez que je regarde Facebook. Qu'une personne ne tente même pas de venir me heurter que quoi que ce soit. Oh, elle ne fait plus le direct parce que Papy Longchamp a fait KO. On peut faire Kawa, Indy Waros. C'est mon choix. Il faut savoir faire vos choix. Un homme qui fait faire Kawa, une femme. On est où là? Dans la reine galloise. C'est vrai que ce très fâché contre toi, mais s'il te plaît, évite parce que là, la façon que tu as parlé, et puis ce matin, dans le direct, ce matin quand j'ai fait que j'ai enlevé. Hey, non, elle n'a pas parlé de toi. Vous êtes les ignats, les aime beaucoup. Elle n'a jamais parlé de toi. Elle n'a pas dit ça. Elle parlait plutôt de Maëlys Barga. Ah oui? Donc vous croyez que je vais venir inventer une histoire? Elle n'a pas parlé de moi? Et pourquoi elle fait? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Que j'ai dit. Les gens, c'est ta propre team qui a dit que tu as les enfants mongols. N'est-ce pas? Tu as demandé là que les fils t'aident. Les abeilles ont fait qu'on a beaucoup, t'ont fait ça tuer. Et n'oublie pas qu'en même temps, quand on avait fait le don pour les nozos, c'est quoi? Tu disais que, oh, j'ai envoyé 100 euros. Et tu savais que nous ne s'attardait pas avec Fleur de Lys à l'époque, mais tu l'as quand même fait. Qu'est-ce que tu crois? Que les gens allaient appuyer quoi sur toi? Moi, c'était une femme qui est méchante. J'allais te knock. Parce que c'est une Ivoirienne qui te met en haut, au Cameroun. Ce n'est pas le Camerounais. Tout ce que tu as là, c'est une Ivoirienne. Qui te met en haut, qui paye tout pour toi. Oui? Allô? Ah, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Voilà. Vous êtes là. Oui. Elle connaît quelqu'un. Quelqu'un la connaît. Si je dis seulement son nom, quelqu'un va tuer la reine galloise que Hoa.
Vous dites que la grosse, elle n'a pas les milliardaires. Vous connaissez. Vous connaissez ma maison. Vous connaissez ma maison. Vous connaissez. Qu'est-ce que vous connaissez? C'est vous qui venez parler à Facebook. C'est du n'importe quoi. Du vrai, du n'importe quoi. N'importe qui se lève. Je vous suis, je suis vos directs chaque temps. Même si je rate un direct, je vous dis que j'arrive dans le noir. J'écoute. Joan Dolo. Je suis la femme de Voldemort. Tu connais Voldemort? Je suis sa femme. Quand Caramba la sorcière, c'est moi. Il n'y a personne qui peut me dire à Facebook, oh la fausse joueuse, elle est un peu gentille, elle a un bon fond. Personne ne me dit pas, ne me casse même des pieds. C'est tout ce qui est mauvais. Elle a dit que des enfants sont mongols. C'est moi que je dis que des enfants sont mongols. Là où c'est arrivé. Et là où justement, quand il est c'est quand il dit, hey, vraiment, ma foi, avec Dieu, que ne les répond pas. Méfie-toi. Facebook n'est plus comme Facebook, tu connais là. Commande doucement. Oui. Toujours en train de supprimer qui? Hein? Oui? Ce n'a rien à y voir. Ici, on ne parle pas de pasteur supérieur, on ne parle rien. Ouais. Tu n'as pas honte, passe partout. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je tenais ici. Général, c'est qui va parler là? Je te prends en direct par rapport à quoi? Je ne te connais pas. Ah, c'est là le problème là-bas, ça ne me regarde pas. Moi, c'est ce que moi je vois. Moi, j'ai dit que mon retour c'est dans 2 semaines, c'est tout. Mais quand je vois quelque chose, je viens aussi parler, c'est tout. Pour dire que je suis toujours là. Personne n'a fermé aucun de mes comptes. Pour dire que non. Ça m'a fait mal, en plus elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Maman, les injures de ça. Combien de fois la reine Galore, j'étais appelée que maman? Parce que parfois, quand c'est comme ça, tu prends une personne qui est neutre dans les histoires, tu. Que ouais, il y a un problème avec nous. Tu m'as dit quoi? Non, je ne veux pas m'emmener de vos problèmes. Parce que toi, tu ne te mets pas des problèmes déjà, mais c'est toi qui n'as pas ouvert ton bec pour parler. Parce que tu es influençable. Sache que je ne suis pas une femme influençable, la reine galloise. Oui. La reine, la dernière fois, j'avais dit que oui. Dans ton tout que tu as créé au Cameroun, il n'y a pas les enfants bêtis dedans. J'ai dit que tu es tribaliste, j'avais dit, j'assume. Et c'est vrai. C'est vrai. Ton association, comme il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, tu viens pleurer pour que les gens qui sont amis avec l'abonné de l'eau viennent vers toi. Pour te... Mais il faut commander doucement. Nous tous on commande, il faut commander. Une fois moi déjà, je commande qui me donne d'abord même rien. Il faut commander doucement, n'amenez pas le nom déjà, c'est pas parce que ces derniers temps, c'est tout le monde est derrière moi pour me dire du n'importe quoi, publier du n'importe quoi sur moi, que tout le monde, il y a Madame de Paris qui sort là-bas. Toi, tu sors. Non, ça me fait mal. Oui, non. Il faut aussi un peu restaurer un peu mon image, que la vraie joyeuse là, elle est un peu bien aussi. Il faut aussi bien aux gens. Quand même. Et je dois sortir de temps en temps comme ça pour me défendre, c'est tout. Je n'ai pas dit que je suis mauvaise. Que je suis bien, parce que moi, je suis un cas, je reconnais que moi, je suis un élément très, très dur à surveiller de très près. Je ne suis pas facile. Ce que je suis, c'est ça pour vous demander aux gens. Je ne suis pas du tout facile, mais je suis une personne très sympa. Quand une personne dit que non, je fais ça pour me retirer un peu, il faut me laisser. Pourquoi continuer à prononcer mon nom? Évitez-moi. Laissez-moi dans ma merde. Je vous demande quoi? Hein? Vous avez fait un PayPal pour les enfants, les orphelins. Allez là-bas, je vous encourage à aller cotiser 1 euro, 10 euros. Ça va aider les enfants. Vous ne faites tout ce qui est important dans les réseaux sociaux, vous ne faites jamais rien. Quand une FMI a créé, elle est à Facebook, elle a tout de fait, c'est. On appelle ça comment? C'est publicité de dansant et tout ça. Allez, encouragez-la. Voilà, comment on appelle? Le nom, vous dites, qui fait, c'est Tap Tap 5.
qui te tape ta scène et tout. Hein? Allez-y. Il faut les encourager. Vous passez ici au Nganda. Vous appelez au Nganda. Vous faites les publicités de mon Nganda. Vous venez manger au Nganda. Vous ne le faites pas. Mais si c'est quand on dit que la veuve joyeuse a dit que les enfants sont mongols, c'est là que tout le monde vient s'asseoir. Voilà. Vous croyez qu'on peut arriver où? On ne va rien, on ne va arriver nulle part avec votre comportement. J'ai dit que je me calme, je reste dans mon coin, mais sachez que tout ce qui est dans les réseaux sociaux, je suis au courant de tout. Donc faites attention avec moi. Je suis libre de faire des directs chaque temps que je veux. Personne ne me tient à Facebook. Personne ne paie ma connaissance. Personne ne fait rien pour moi. Mais j'ai mes gens qui sont là pour moi, pour la vie joyeuse. Voilà. Donc ne vous réjouissez pas. Oh, tu as vu, non? Je l'ai franconné là qui était Facebook. Non. C'est mon choix. C'est mon choix. C'est tout. Mais vous voyez, vous voici, non? Quand on parle, vous venez faire vos histoires ici. C'est tout pour insulter. Parce que vous aimez ça. Attendez-moi dans 2 semaines. Samedi, c'est 1 semaine, notre semaine. Je vais faire ma dernière vraie vidéo. Samedi, je serai au mariage de Père de Luxe. En dehors de ça, après, j'éteins mes téléphones. Je ne viens même plus à Facebook. Je ne publie plus rien. Je reviens que samedi. Arrêtez un peu. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une personne va arrêter. Toujours donner les pics. Donnez les pics pour que je revienne. Je ne suis pas d'accord. J'ai dit que je ne viens pas. Donc, respectez-moi. Vous avez gagné. Je vous donne les mains. Vous avez gagné à Facebook. Papi, non, cher mamie, K.O. Tu as gagné. Tout le monde m'a gagné à Facebook. Ah, donc, respectez-moi. S'il vous plaît. Pour l'instant, je suis dans la mode dans le noir. Vous comprenez? Respectez mon choix. Respectez-moi. Ne prononcez plus mon nom dans vos directs. Parce que je fais comme ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je vais revenir. Et c'est le sang qui va couler. Donc, laissez-moi tranquille. D'accord? Mais c'est sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Ça, c'est la seule vidéo que je vais laisser. Que je vais laisser dans mon téléphone. C'est pour vous dire que laissez-moi. Vous avez gagné. Vous avez tout. Mais gagné, y'a. Oui. Papi, non, jamais fait KO. Je suis tombé KO. Oui, mais je suis toujours debout. Parfois, il faut comprendre certaines personnes que quand une personne vous dit que non, laisse comme ça, laissez-moi. Mon nom se vend même à qui? À combien? Les gens me disent que, oh, elle n'a même pas 2000 vues. Est-ce que j'ai besoin de ça? Qu'ils ont la voix joyeuse? J'ai eu combien de comptes les réseaux sociaux? Ma page est monétisée, ma page n'est pas monétisée. Alors, vous me respectez. Laissez-moi tranquille. Sur ce, je vous laisse. On est ensemble. Bonne soirée. À bientôt. Ciao.